t'es à la recherche d'une formation? Bienvenue en Agora, assistant à la gestion des organisations de l'activité. Ici, on est à l'URD Vélos. Tu vas faire un tour avec nous? En bac pro Agora, on fait par exemple des matières professionnelles, l'administration. On peut gérer une structure, gérer les appels téléphoniques, faire de l'accueil physique et faire des courriels. On fait aussi de la gestion, apprendre à gérer une entreprise, faire de la facturation, faire des appels d'offres, des bonnes livraisons. Il y a aussi la PSE. La PSE est une matière qui sert à expliquer les risques. Par exemple, le risque du travail, par exemple, en Agora, le risque est que je suis tout le temps devant mon écran, donc de m'abîmer mes yeux, ou encore d'être tout le temps assis, donc de m'abîmer le dos. Grâce à la PSE, on évite les risques. On fait aussi des locaux droits. On fait aussi de l'allemand. On fait aussi de l'anglais. On fait aussi des maths, lettres, histoire, géographie. Les PS. Et l'art-plastique. Durant ces 3 ans de formation, on fait 22 semaines de stage dans les milieux professionnels, dans les associations, afin d'accroître notre compétence dans les milieux professionnels. Après un bac professionnel Agora, on peut faire un BTS. Ou travailler dans la gestion, dans les ressources humaines, ou passer des concours administratifs. Un ordinateur pour chacun. Du matériel adapté si besoin. Dans la classe, c'est une bonne ambiance. De l'entraide. Et beaucoup de bonne humeur. Et aussi du travail. Un foyer pour les lycéens. Voici la cour. Ici, bientôt un espace réservé aux lycéens sera aménagé. Le RDV est proche du métro. Il y a des bus très régulièrement, avec un arrêt juste devant le lycée. Mais on peut aussi venir en vélo. On est maximum 10 par classe. Et ça permet un meilleur suivi des élèves. Et on a un bel établissement. Nous avons aussi un internat avec des activités proposées et des chambres individuelles. Au collège, on accueille des personnes en situation d'handicap. Par contre, le lycée est ouvert à tous. Et ça nous apprend à vivre tous ensemble.